le matos du peintre. Voici la liste de fournitures en musique pour toi qui aimes la peinture acrylique. Je t'explique, il te faudra, cousin, une boîte de fusain pour esquisser les lignes et les contours de ton dessin. Et peut-être bien, cousine, la fine mine d'un crayon de papier avec une dureté inférieure à HB. Sache que chaque zone définie a sa couleur de fond. Une fois que tes contours sont finis, on passe au fond. Bref, passons au pinceau, donc à l'essentiel. Voici ma liste perso de la marque Raphaël. Il faut des petits et des grands pour faire les détails. Il faut des plats et des ronds de différentes tailles. Il faut des brosses pour les éventuels pochoirs. Des couteaux et rouleaux, mais c'est accessoire. Pour la peinture, tu as le choix entre bidon ou tube. J'utilise du Liquitex de qualité étude, du Carandage, du Amsterdam pour ne pas faire de pub. Sache que tu peux en faire sur ma chaîne YouTube. Si tu kiffes, abonne-toi à mes leçons. Tu mets un pouce vers le haut si tu aimes le son. Partage le lien, pose un com, une question, ça me fera plaisir. Enfin beau, il faut du noir pour assombrir, du blanc pour éclaircir, le jaune magenta et le cyan pour obtenir toutes les couleurs de la gamme chromatique, voir les cours sur les mélanges tout aussi sympathiques. Prends un pot de confiture comme récipient d'eau, garçon. Un t-shirt de ton ancien boulot comme chiffon. Une boîte d'œufs bio comme palette en carton. La liste est finie, place à la pratique, fiston. Ben t'attends quoi? T'as pas tout compris? Ok, je reprends depuis le début. Le matos du peintre qu'il te faudra, cousin. Une boîte de fusain pour esquisser les lignes et les contours de ton dessin. Et peut-être bien, cousine, la fine mine d'un crayon de papier avec une dureté inférieure à HB. Sache que chaque zone définie a sa couleur de fond. Une fois que tes contours sont finis, on passe au fond. Bref, passons au pinceau.